Je ne m'étais jamais abandonné un baiser comme ça. Tu es la personne à qui je n'ai pas peur de dire que je t'aime. J'aimerais trouver une explication à ce qui s'est passé. Mauricio, ne t'inquiète pas, je ne sais plus où j'en suis. Se mettre dans un état pareil à cause d'un baiser... Ce n'était pas un simple baiser pour toi. Peu importe, peu importe ce que j'ai ressenti. Tu es marié. Tu aimes ta femme. C'est un manque de respect de te parler d'amour. Juana, on a été sur le point de mourir et on s'est retrouvés dans une situation désespérée qui nous a amenés à dire et à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal et à faire des choses qui ne se passeraient pas dans la vie de tous les jours. Je sais qu'on n'aurait jamais dû. Tu as raison, on oublie alors. Oui, mais on ne peut pas non plus nier ce qui est arrivé. Et le problème, c'est que tous les deux, on a nos vies, Juana. Je te demande vraiment pardon, Mauricio, vraiment. Je ne veux pas gâcher notre amitié à cause de ça. Non, 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 on sera toujours amis. Et d'ailleurs, tu pourras toujours compter sur moi, Juana. C'est juste que... maintenant, on est revenu à la réalité. Oui, monsieur. Toi, tu es avec ta femme et moi, je ne suis que ta photographe. C'est ça, la réalité des choses. Oui. Calme-toi, Carlotta, pour l'amour de Dieu. Tu ne dois surtout pas perdre le contrôle. C'est exactement ce que veut cette gamine. Désirée, tu aurais dû voir Mauricio. Je voyais dans ses yeux qu'il me détestait. Il te déteste ? Lui, je pense vraiment que tu t'imagines des choses. Non, Désiré, je le connais, il était vraiment blessé parce que Juana lui a dit que j'avais mal agi envers sa famille. Tout va bien ? Mauricio va bien ? Carlotta est à bout de nerfs parce qu'il y a... Parce qu'en fait, j'ai peur pour lui. Voilà. Rogelio, essaie de la calmer, s'il te plaît. Je n'y arrive pas. Carlotta. La peur que tu as, l'enlèvement, ce sont des conséquences directes de la candidature de Mauricio à la mairie. Je t'avais dit de lui interdire de se lancer dans la politique, mais tu ne m'as pas écouté. Et ça va devenir de pire en pire. Juana, je voudrais te demander à nouveau pardon pour avoir dit à Carlotta que tu étais enceinte. Non, ce n'est pas grave. Je sais ce qui s'est passé et ce qui va continuer à se passer. Carlotta a le droit de tout savoir sur toi. C'est beau ce que vous savez. Et cette envie de fonder une famille. Ça n'a pas été facile. Et malgré tout, Carlotta reste à mes côtés. Le problème, c'est qu'on n'est pas compatibles. On ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut malheureusement pas tomber enceinte. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à une mère porteuse. Et puis, Rosa a mis fin à ses Mauricio, jours et... Mauricio, ce n'est pas grave. Ce baiser est resté dans le trou qui nous était destiné. C'est terminé. On passe à autre chose. Pourtant, ce baiser a été important. Bah, de quel baiser tu parles? Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Tu es une femme merveilleuse. Et un jour, tu rencontreras un homme... Arrête, Mauricio. Si cette histoire doit se terminer, on devrait le faire. De façon claire, sans reproche et sans explication. C'est la meilleure chose à faire. Mauricio a dépassé les limites. La politique n'est pas un jeu. C'est pour ça qu'il faut le mettre en garde. Papa, Mauricio se fiche de ce que je dis ou ce que je ressens. Tu es sa femme, enfin. Seulement sur le papier. Ça fait longtemps que Mauricio ne s'intéresse plus à ce que je ressens. Et à qui incombe cette faute? J'ai tout fait, papa. Ce n'est pas assez, ma fille. Il faut que tu lui dises... qu'il ne sait pas à qui il a vraiment affaire. C'est un jeu très dangereux. Papa,
Comment je dois faire? Débrouille-toi, trouve un moyen. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est bizarre que le jour où on l'a enlevé, il se trouvait avec la photographe. Je me demande s'il se passerait pas quelque chose entre eux. Roana, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as parlé à Mauricio au sujet de sa femme? Il a mal réagi, c'est ça? Non, maman, je suis à fleur de peau, c'est tout. David? Ah, je suis contente que tu sois là. Je suis contente que tu ailles bien. Sois froide. Crois-moi, il ne faut pas que ça t'atteigne. Je n'y arrive pas, Enriqueta. Et puis, ça se voit qu'il l'aime. Et alors, ça fait quoi? Sers-toi de lui comme il se sert de toi. Tu dois voir ça sous un autre angle, Jessica. On ne doit pas faire de scène devant les hommes, sinon ils savent qu'ils ont le contrôle. Dans ce cas-là, il va falloir que tu m'attaches. Jessica, rappelle-toi qu'il y a des limites à ce qu'une femme peut faire pour un homme. Je peux entrer? Bien sûr, entre. Excuse-moi de te déranger, Mauricio, mais... j'avais besoin de te voir. Oh, Mauricio, si tu savais à quel point j'ai eu peur quand j'ai appris qu'on t'avait enlevé et que tu étais blessé. Je suis si attachée à toi. Je te promets que j'ai eu aussi peur, voire plus que lorsque j'ai perdu mon mari. Tu dois prendre soin de toi, Mauricio. Tu es très important à mes yeux. Ah, maman. Je me fais beaucoup de soucis pour Roana. Elle devrait rester au calme, elle est enceinte. Et dire qu'elle a couru après les kidnappeurs. Elle est folle. Elle est en train de changer, je le sens. Ce n'est plus la petite fille avec qui tu pouvais parler et qui t'écoutait. Eh bien, Anna Maria, je t'avais prévenue ou pas? Elle reste avec des personnes plus âgées. Elle travaille sans avoir passé son bac. Et puis, elle a beau être enceinte, ce n'est encore qu'une petite fille. Je voudrais tellement la protéger, mais elle ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'elle reste avec les gens de la rue? Ça ne me plaît absolument pas. C'est très dangereux pour elle. Imagine-toi, elle a vraiment risqué sa vie pour cet homme. C'est normal que les gens pensent des choses. Je n'ai pas réfléchi. J'ai vu qu'on l'enlevait et je l'ai suivi. Sans prévenir personne. Je me suis dit que si je prévenais le gardien, je le perdrais de vue et je ne pourrais plus le retrouver. La police est là pour ça, Roana. Si tu avais été à ma place, tu n'aurais pas fait pareil? Je sais pas, il faudrait que je me mette à ta place. Mais là n'est pas la question. La question est, si ça avait été moi, est-ce que tu aurais fait la même chose? Oui, je pense que... Oui? Tu penses que oui? D'accord. Personne n'a été surpris de vous voir partir ensemble. On a tous trouvé ça très normal. Vu que Mauricio et toi, vous adorez filer en douce. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, David? Et peu importe ce que tu feras, Jessica. Il regarde dans une autre direction, et comme nous. Je ne vois pas de quoi tu parles, Carlos. Ah, tu n'as pas à faire semblant avec moi. David aime beaucoup Roana, mais elle ne l'aime pas. Peut-être que oui, mais quand même. Je ne comprends pas comment il peut ne pas se rendre compte qu'elle ne l'aime pas et que moi je suis là. Ils sont perdus tous les deux. Et ils ne voient pas ce qu'il y a sous leurs yeux. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. Mais arrête avec les sous-entendus, je ne suis pas bête. C'est pas important, ça. Je pensais qu'on était amis, tous les deux. Ah! Mais ah bah... apparemment, non, ce n'est plus le cas. Tu vois? Tu recommences? Qu'est-ce qui se passe? Tu me déçois. Moi, je te déçois? Oui. Vraiment? Oui, tu me déçois. Tu es un journaliste direct qui va droit au but, mais ça fait 2 heures que tu essayes de me demander quelque chose. Je croyais que tu avais confiance en moi. Quand est-ce que tu allais m'annoncer que tu étais enceinte, hein? Tu me crois si bête que ça, et qu'à un moment donné, j'allais pas me rendre compte que tu l'étais. C'est Jessica qui te l'a dit? C'est elle qui t'a dit que j'étais enceinte.
historia, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre. Comment est-ce qu'elle a pu me trahir? Je lui ai demandé, même supplié, de ne rien dire à personne. Ah, je ne suis personne, alors. S'il te plaît, non, pas besoin de t'excuser. Si ça se trouve, Jessica l'a fait pour que je ne souffre pas, ou parce qu'elle voulait protéger un homme amoureux. Tu n'es pas amoureux de moi. Tu sais parfaitement ce que je ressens, David, pour toi, Juana, tu le sais. Tu es jeune, tu as du talent, tu es beau. Comment tu peux aimer une personne qui, tout simplement, n'a rien dans sa vie? C'est peut-être à moi de décider qui j'ai envie d'aimer, tu ne trouves pas? Tu sais quoi? C'est ma vie aussi, et j'en ai vraiment marre. Marre des gens qui décident à ma place, qu'ils pensent que je fais les choses mal et qu'ils veulent absolument m'aider. Alors ça Juana... va être simple, désolée de vous déranger. Je voulais vous faire honneur au nom de la revue La Vérité et vous dire que moi, Juana Pérez, je suis enceinte. Heureuse. On doit rester sur nos gardes. Il ne faut pas que cette histoire nous prenne par surprise. On ne sait pas qui a été choisi pour l'accuser de tout ce qui se passe. Mais ce dont je suis sûr, Paco, c'est qu'ils ne trouveront jamais l'ombre. On fait quoi, maintenant? La première chose à faire, c'est de protéger les nôtres, Paco. Ceux de Santa Catalina? Ils pourraient s'en prendre à eux. Appelle Lily et Willy pour qu'ils se mettent à l'abri. Il est fort possible qu'il y ait une rafle à Santa Catalina et ils ne doivent pas se faire attraper. Bien, je m'en occupe, madame. Alors, selon toi, la meilleure stratégie, c'est de traiter les gens avec indifférence? T'es experte en la matière. Et toi, tu es très douée pour écouter les conversations privées. Qu'est-ce qui te fait peur? Que je découvre ta technique de séduction? Tu sais quoi? Je me fiche de ce que tu penses. Cette technique ne marche pas. Non? Qu'est-ce que tu fais là, alors? J'ai l'impression que plus je t'ignore, plus tu me dragues. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Ça te plaît quand je suis froide avec toi? Tu sais ce qui me plaît, moi? C'est que quand tu me vois, tu deviens chaude. On ne dirait pas comme ça, mais je suis une femme croyante. Oh, j'ai tellement prié pour toi la nuit dernière, Mauricio. Alors que tout le monde pensait du mal de toi et disait que tu t'étais enfui avec Juana, au fond de moi, je sentais que tu étais en danger. Si je suis vivant, c'est grâce à Juana, Désirée. Et grâce à mes prières. Quand Carlotta m'a dit que tu étais blessé, mais... Ah, mais que tu étais vivant, Mauricio, tu es vivant. Merci beaucoup, Désirée. Merci d'avoir été auprès de Carlotta dans ces moments difficiles. Mauricio, j'ai pressenti qu'une chose horrible
allait arriver. Écoute, j'ai toujours un mauvais pressentiment quand Juana est dans le coin et il fallait que je te le dise. Je ne sais pas, j'ai l'impression que cette fille ne fait que te nuire quand elle est avec toi. Cette fille, Mauricio, va t'attirer beaucoup d'ennuis, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Tu vois, papa, je te l'avais dit. Mauricio se porte très bien. Comment va mon gendre? On se sent comment, après avoir vu la mort de près et lui avoir ri au nez? L'heure est arrivée! Éloigne-toi de moi! Non! Éloigne-toi! Mauricio! T'en as de la chance, Mauricio Vega. Ma femme, elle risquerait même pas une paire de chaussures pour moi. Si vous allez nous tirer dessus, pourquoi vous vous moquez de nous? On passe le temps en attendant que notre patron arrive et prononce votre sentence. Et voilà, demain sera un autre jour. Votre patron? Quel patron? Vous vouliez voir notre patron? Le v'là. Notre patron a dit qu'on te fait vous tuer car vous avez eu l'idée stupide de vous présenter comme maire. C'est donc le maire qui est derrière tout ça. Ce froussard a peur que je gagne les élections. Et ce message, c'est l'ombre qui vous l'envoie. J'espère que vous avez retenu la leçon, monsieur Vega. Non, Mauricio, non. Ces hommes étaient déterminés à nous tuer. Ils nous ont même fait creuser notre propre tombe. Quelque chose s'est passé, et ils ont arrêté soudainement. Ils se sont mis à tirer des coups de feu dans le vide, et puis ils sont partis. J'ai l'impression que c'était un avertissement, Mauricio. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que s'ils s'attendaient à ce que je renonce à ma campagne électorale, leur plan a bel et bien échoué. J'ai bien l'intention de continuer. Je m'en doutais. Mon cher gendre, on pourrait dire que tu es un bouchon en liège. On a beau vouloir le noyer, il se tire toujours d'affaire. Papa, tu devrais plutôt m'aider à convaincre Mauricio que sa vie est en danger. Elle a raison. Et tu t'obstines à continuer la campagne, on pourrait te tuer, bon sang. Carlotta, toi-même, tu l'as poussé à agir ainsi. Je sais, je n'aurais pas dû. Mon cœur. J'en mourrais s'il t'arrivait quelque chose. Ces gens sont déterminés à se débarrasser de toi, ça n'a aucun sens de continuer. Mon amour, je veux que tu me promettes que tu vas te retirer de la campagne. Tu me l'avais promis, Jessica. Mais toi, tu le racontes à tout le monde. Juana, ils allaient s'en apercevoir un jour ou l'autre. C'est quelque chose de privé, de personnel. Mauricio est au courant. Parce que c'est mon patron. J'ai dû lui dire quand il m'a embauchée. Je n'étais pas au courant. Pourtant, je m'occupe des recrutements. Parce que Mauricio n'a qu'une parole. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde, visiblement. Dans ce cas-là, Juana, tu ne peux plus travailler avec nous. D'où tu sors ça, laisse toi? Laisse tomber. Apparemment, être enceinte, c'est comme avoir la lèpre ou avoir commis un péché mortel. Juana. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Faites quelque chose. Pas encore. Les journalistes insistent sur l'affaire Mauricio Vega. Ils exigent une déclaration de votre part. Le temps s'écoule, Torres. Il ne faut pas l'accélérer, mais au contraire s'adapter à lui. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous ne savez plus ce que vous faites. Ça va aller. Ça va aller. Je vous dirai le moment venu quelle est la prochaine étape. Je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Tout arrivera en son temps et excusez ma discrétion, mais personne ne saura le coup que je prépare. La fondation de Rogelio Rivas et de sa fille a demandé qu'on dépose ses affaires ici. D'accord, merci. Laissez tout dans le couloir. Les gars, allez-y. Juana, Juana! Arrête, David, arrête!
Tout le monde a enfin découvert mon secret. Laisse-moi maintenant. J'ai juste été déçue parce que je t'avais donné mon amitié et ma confiance. Oui, oui, je sais. Mais je ne voulais pas que les gens le sachent. Tu sais que je t'aime, Ruana. Oui, ça, j'ai bien compris. Et je t'ai déjà dit que je ne voulais être avec personne. Tu comprends pourquoi? On peut rester de simples collègues, ça te va ou pas? Oui. Comme tu voudras. Ah, Ruana. Il faut que je vous parle, j'ai besoin de plus de détails sur l'enlèvement. Ça ne peut pas attendre. Non, Ruana, maintenant. J'ai interrogé l'homme qui conduisait le véhicule. Et j'ai aussi interrogé le personnel des urgences qui s'est occupé de vous. Il ne manque plus que vous deux. Ruana, tout va bien. Oui, oui, ça va aller. Mais celui qui doit se reposer, c'est Mauricio. Bonjour. J'ai besoin de faire une déclaration. Pour toi. Merci. Tiens. Merci. Quand tu l'auras terminé, tu me raconteras. Il est marrant. Ce sera à toi de me le dire. D'accord. Tiens. Tiens. Monsieur Vega, qu'est-ce qui s'est passé? Un par un, s'il vous plaît. Sinon, ça me paraît clair qu'on ne va pas s'entendre parler. Je vous écoute. Vous avez une idée de qui a pu vous enlever et quelles en sont les raisons? J'ai bien plus qu'une idée. J'ai un nom. L'Ombre. Le cartel de l'Ombre s'est porté responsable. Et ils ont exigé que je me retire des élections municipales. Pensez-vous que le maire actuel, Raphaël Tovar, est impliqué dans cette affaire? Et si c'est le cas, quel serait le rapprochement avec le cartel de l'Ombre? Écoutez, je n'ai pas l'intention de souiller le nom de qui que ce soit sans avoir avant des preuves irréfutables. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est indéniable que le maire Tovar doit s'engager à trouver chacune des personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans cet enlèvement. À votre avis, pourquoi est-ce qu'un cartel de la drogue voudrait absolument vous voir renoncer aux élections? Si un cartel de la drogue pense qu'il peut facilement me menacer de la sorte, c'est sûrement qu'il a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut d'un maire comme celui que nous avons maintenant. Je veux que vous sachiez que cet enlèvement n'a fait que renforcer mon engagement envers cette ville. Peu importe ce qu'ils feront, sachez que je n'ai absolument pas peur d'eux. À partir de ce jour, je n'aurai pas de répit avant d'avoir trouvé les responsables de mon enlèvement. Et si le maire Tovar ne veut pas faire valoir les lois de cette ville, je me verrai obligé d'exercer mes droits en tant que citoyen. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de faire une déclaration. Vous venez d'entendre la déclaration. C'est le moment, Torres. L'heure est arrivée de montrer à Mauricio Vega comment on applique les lois dans ma ville. Dans ce cas, je convoque les médias. Oui. Faites-les entrer. Je vais répondre à cet abruti de Mauricio Vega. Mauricio, il s'agit juste de questions de rigueur. Excusez-moi, mais mon mari a besoin de rentrer et de se reposer. Madame, il s'agit de questions simples, comme par exemple, est-ce que vous reconnaîtriez l'endroit où on vous a retenu prisonnier? Oui, je sais exactement où c'est. Je sais comment y aller. Mauricio, il faut que tu te reposes. Ta déclaration aux médias t'a épuisé. Faisons comme ça. Je vous accompagne chez vous et on en parle au calme. Castillo accompagnera Ruana à cet endroit-là. Non. Non, je pense que c'est trop dangereux. Ça va aller, Mauricio. Ma moto est là-bas et elle est en mauvais état. Bon, ben, je viens avec toi, alors. Enriqueta et moi, on s'y présentera au nom de la revue. On devrait être les premiers sur les lieux pour prendre des notes et des photos et annoncer la nouvelle. Ça te va? Oui, ça me va. J'ai mon appareil. Il faut chercher la vérité. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor, luchar si vale la pena. J'ai cassé la moto un peu plus bas, près des décombres. Les hommes qui avaient enlevé Mauricio ont entendu le bruit et ils sont sortis pour voir ce qui se passait. Je suis passée par la porte de derrière et en est sortie. Vous êtes sûre de n'avoir vu le visage d'aucun d'eux? Non, tout est allé très vite et ils portaient des cagoules. Tu aurais pu y passer, Ruana. J'espère qu'on pourra réparer ta moto. Personne ne touche à la moto. C'est une preuve. En tout cas, une chose est claire, Ruana, c'est que tu as risqué ta vie pour Mauricio. Pas tout le monde serait prêt à le faire.
ne pouvais pas l'interroger plus tard? Ma chérie, j'ai besoin de clarifier cette histoire le plus rapidement possible. Et que ces vauriens paient pour ce qu'ils ont fait. Vous n'avez donc pas vu leur visage, Monsieur Vega? Non. Ils ont juste dit qu'ils faisaient partie du cartel de l'ombre. Je pourrais vous mettre une protection rapprochée, mais sachez-le. Les ennemis politiques sont pires que les ennemis en temps de guerre. Écoutez, lieutenant. Je n'ai pas l'intention de passer ma vie à me cacher. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Admettez que vous êtes en danger. Vous avez plus d'un ennemi et chacun d'entre eux est suspect, vous savez. Comment... est-ce que Juana Pérez est arrivée à cet endroit, Monsieur Vega? C'est bien elle qui vous a sauvé. Oui. Oui, mais je ne sais pas comment elle a fait, à vrai dire. Je ne savais pas qu'elle nous suivait, j'avais les yeux bandés et j'étais attaché. Au moment où je m'y attendais le moins, j'ai entendu un bruit et elle m'a détaché. On est parti en courant. Et ces hommes nous ont poursuivis et ils nous ont attrapés. Mmh. Et quand ils ont eu l'occasion de nous tuer, ils ont disparu. Mmh. Ils sont partis. Lieutenant, je sais que ça ne paraît pas logique, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Dernièrement, Monsieur Vega, vous vous êtes retrouvé dans des situations tragiques. La disparition de votre associé Francisco, le suicide de Rosa Andrade... Mais ceci n'a rien à voir avec l'enlèvement. On n'en sait encore rien. Les bras du cartel de l'ombre sont assez longs. Au fait, Monsieur Vega, est-ce que vous saviez que l'insémination de Rosa Andrade n'a pas été pratiquée par son médecin habituel? Oui. On m'a dit que le docteur Gonzalez s'était occupé de l'insémination. Lieutenant, pourquoi est-ce que vous m'en parlez maintenant? Et puis quand on s'est enfui, on est parti vers la forêt. Mmh. Allons voir. Ça a l'air différent la journée. Et ce trou? Ils nous ont obligés à le creuser. Ils voulaient vraiment vous enterrer là? Oui. Ils nous disaient qu'on était en train de creuser notre propre tombe. Si jamais je me retrouve en face de ces vauriens, personne ne mérite une torture pareille. Dentro de mí siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas. Tout va bien. C'est terminé maintenant. Tu es la personne la moins indiquée à qui je peux raconter ce qui m'arrive. Tu as des sentiments pour moi. Je t'ai dit que jamais je ne te jugerai. Tu peux tout me confier. Dis-moi. Ce que j'ai à te dire va te paraître bizarre. Mais si je ne le dis pas à quelqu'un, je vais exploser. Je suis amoureuse de Mauricio. Tu es tombée amoureuse d'un homme marié? De Mauricio? Je n'aurais pas dû te le dire. Dernièrement, je suis la coupable préférée de tous. On n'arrête pas de me juger. David, j'ai essayé d'être forte, mais je n'y arrive pas. Je pensais vraiment que j'allais mourir et c'est à Mauricio que je pensais. J'avais peur pour lui, pour moi, pour mon bébé. Mais tu as survécu, Juana. Parce que tu es une guerrière. Si ça se trouve, tu as eu peur et tu t'es imaginé que tu étais amoureuse de lui. Oui. Oui, tu as raison, ça doit être ça. Ah.
On a eu une de ses peurs, David. Il tirait tout autour de nous. Sérieux? Oui. Mauricio a été très courageux. Il m'a protégée pour que les balles ne me touchent pas. Tu l'as, ta réponse. Il t'a sauvée. Tu l'as vu comme un super-héros et tout s'est mélangé dans ta tête. J'aurais fait la même chose pour toi. Bien sûr, c'est ce que ferait un ami. Ce qu'il y a entre Mauricio et moi, c'est de l'amitié, rien de plus. Il m'a toujours soutenue. Quand il a su que j'étais enceinte, il ne m'a pas jugée. Il m'a aidée sans rien demander en retour. Tout ça fait que j'ai des sentiments pour lui. Je croyais que je l'aimais. Mais ce n'est pas possible. Lieutenant, je croyais pourtant que l'affaire Rosa avait été classée. Et qu'il s'agissait d'un suicide. L'enquête est toujours en cours. Et j'ai découvert que le docteur Gonzalez avait pratiqué l'insémination de Rosa Andrade. Je lui ai parlé et je l'ai senti agité. Agité? Il faut que vous voyiez ça. Le maire va faire une déclaration, voyant ce qu'il a à dire sur ton enlèvement. Je n'ai pas pu faire de déclaration avant sur ce qui est arrivé à Mauricio Vega, car je mène en ce moment une opération très délicate. De quoi il parle? En effet, l'attaque menée contre Mauricio Vega, mon opposant aux élections municipales, a été perpétrée par le Cartel de l'Ombre. Une organisation criminelle que nous persécutons sans relâche depuis le début de mon mandat. Nous croyons que c'est ni plus ni moins un acte de désespoir pour m'impliquer, pour m'inculper dans cet épisode délictueux et faire de moi le suspect numéro un dans l'enlèvement de Mauricio Vega. Et la raison est la suivante. Nous sommes sur le point de démanteler une des branches les plus importantes du Cartel de l'Ombre. Que plus personne ne bouge! Tout le monde à terre! Tout le monde à terre! Vous êtes sur une propriété privée! C'est une propriété privée! Tout le monde à terre! Plus personne ne bouge! Les mains en l'air! J'ai dit plus personne ne bouge! Les mains en l'air! Lâchez le chien qui travaille! Fouillez les moindres dans le coin! Les mains en l'air! Personne ne bouge! Que personne ne bouge! Fouillez tout le monde! Allez, fouillez le centre! Donnez vos mains! Vos mains! Dépêchons-nous! Allez, fouillez de partout! Que personne ne s'échappe! Trouvez-moi cette drogue! Allez, ouvrez les cartons! Dépêchons, dépêchons! Bien, bien! N'oubliez rien, n'oubliez rien! Un des principaux leaders du Cartel de l'Ombre est mon propre fils Gabriel. Que je dois traiter comme le criminel qu'il est. Sur lui doit retomber tout le poids de nos lois. Même si cette action mettra en péril ma réélection comme maire. Il y a environ 50 paquets contenant de la drogue. Quoi là-bas? Ne bouge pas! Reste où t'es! Ne bouge plus! Il s'agit d'un moment très dur pour moi. Je sais aussi que c'est un moment très dur pour les hommes et les femmes qui ont cru en moi. Je vous prie de m'excuser, mais mon devoir de mère est plus important que l'immense amour que j'ai pour mon fils. Jamais je n'aurais cru que je prononcerais ces mots si douloureux. Mais justice doit être faite. Monsieur le maire, depuis quand votre fils est-il impliqué dans cette affaire de l'enlèvement de Mauricio Vega? Depuis quand fait-il partie du Cartel de l'Ombre? Sauriez-vous nous expliquer la raison exacte de ce fait et de cette grave accusation? Vous commettez une grave erreur. Cette drogue n'est pas à moi. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. C'est pas moi, je savais pas. Hein? Gabriel! Doucement. Les enfants, reculez, s'il vous plaît. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous l'arrêtez? Gabriel est un homme bien. Un homme bien, vous dites? Avec toute la drogue qu'il cachait dans le centre? Vous avez pas honte avec tous ces enfants autour? Vous devez faire erreur. Mesdames, je vous prie de nous laisser faire notre travail et de sortir, s'il vous plaît. Mais... Anna Maria, vous feriez mieux de partir. Non, Gabriel. Je n'irai nulle part jusqu'à ce qu'on te relâche. Tu as bien compris, je ne te laisserai pas seul.
n'a pas de sens. Je ne connais pas beaucoup Gabriel, mais je suis certain que c'est une personne honnête. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne nous ait jamais dit que son père était le maire. Il se peut que ce soit une couverture. Je connais aussi Gabriel et jamais je n'aurais cru qu'il se servirait de la maison des jeunes pour faire du trafic de drogue. Je viens d'entendre le maire à la radio. Tu crois que c'est vrai, Mauricio ? Je n'en sais trop rien. Mais je n'ai jamais eu confiance en notre maire. Et je ne m'en suis jamais caché. Veuillez m'excuser, je dois aller à la maison des jeunes pour m'occuper de l'arrestation de Gabriel. À bientôt. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Absolument. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que Rogelio est devenu très calculateur. Et sans pitié. Je dois avouer qu'il a réussi un très joli coup. Gabriel a fini en pauvre victime et le maire en un martyr capable de sacrifier son propre enfant. Ça va être compliqué, madame. Il ne se taira pas avant qu'on ait écouté sa version. Il ne pourra pas. Raphaël Tovar est un homme très puissant et il serait prêt à enterrer son fils en toute discrétion. Et puis la décision qu'il a prise fera de lui un héros. Il a distribué à tous. Quelle belle ironie. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de ma vie, Paco. C'est exactement ce qu'a fait Rogelio Rivas avec moi. Cet homme ne sait pas dans quel pétrin il est. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Il saura tirer parti de cette situation. On se ressemble énormément, à part que lui est resté dans le placard. Vous croyez ? Je n'ai pas l'impression qu'il soit assez fort pour affronter ce qui va suivre. Quand tu as été élevé par un escroc, ton côté obscur peut surgir quand tu t'y attends le moins. Vous parlez de vous ? Certains disent que vous avez été élevé par l'ombre. C'est exact, Paco. Mais quand je parlais d'avoir été élevé par un escroc, je faisais référence au maire et à son fils. Moi, c'est différent. L'ombre n'est pas un escroc. C'est un style de vie. C'est une forme de survie. C'est le côté obscur des choses, sans rien dissimuler. C'est pour ça qu'il ne va pas aimer qu'on l'implique dans cette histoire. C'est dur, la situation dans laquelle se sont retrouvés Juana et Mauricio. Tu imagines si ça nous arrivait ? Ne dis pas de choses pareilles. Je nous imagine, toi et moi, dans ce trou, sur le point de mourir. Et une bande de vauriens en train de nous menacer. Je suis sûr que tu sortirais de ta boîte. De quelle boîte est-ce que tu me parles ? De cette boîte en porcelaine dans laquelle tu vis. Je sais que dans une situation pareille, tu laisserais sortir tes démons. Et tu t'avouerais que t'as envie de moi. Tais-toi, Manolo. C'est une remarque déplacée. Ce serait la seule et unique façon que tu reconnaisses qu'on se plaît mutuellement. Même dans ce genre de situation, tu voudrais pas qu'il se passe quelque chose ? En plus d'être insolent, sadique et fou, il n'y a que toi pour penser à des atrocités pareilles. Même si j'étais en danger de mort, vois-tu, tu ne serais pas un homme pour moi. Et ça, même si j'étais morte. Calme-toi, Mauricio. Je suis presque sûr qu'il s'agit d'un piège. Quelqu'un veut nous faire croire que Gabriel est un trafiquant de drogue et que son père est si honnête et sincère qu'il est capable de remettre son fils aux autorités. Juste pour gagner les élections. Est-ce qu'un père ferait vraiment ça, faire arrêter son fils ? C'est absurde. Je t'en prie, Carlotta. Tout est permis en politique. Et on sait tous que Raphaël Tovar n'est pas le compétiteur le plus honnête. Désolé de m'immiscer, Mauricio. Mais toi qui as l'air de si bien connaître Gabriel, pourquoi est-ce qu'il ne t'a jamais dit qui il était ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a honte de dire qu'il est le fils d'un escroc et qu'il a préféré se taire. Ou bien alors, il ne se parle plus. Je ne voudrais pas le juger, mais c'est bien connu que les trafiquants de drogue cachent bien leur jeu. Et apparemment, le rôle de Gabriel, de super-héros qui luttait contre le crime, lui allait comme un gant, à tel point que tu l'as cru. D'accord.
D'accord. Ouais, très bien, j'arrive tout de suite. Messieurs, dames, on vient d'arrêter Gabriel, le responsable de la maison des jeunes de Santa Catalina. Gabriel, pourquoi ? Il est accusé de trafic de drogue. On m'a chargé de l'affaire. Mais enfin, Gabriel ne fait qu'aider les enfants les plus démunis du quartier. Je viens avec vous, je veux être près de lui. Je t'emmène, Juana. Je vais rester ici en attendant que la dépanneuse amène ta moto au garage. Tu vas rester seul dans cet endroit ? J'ai pas le choix. À moins qu'Enriqueta veuille m'aider. Moi ? Pourquoi moi ? Si la dépanneuse ne vient pas, tu pourras me ramener. Je pars avec Juana. Il faut que je vois ce qui s'est passé. On y va. Elle sera là dans combien de temps, ta dépanneuse ? Je te préviens, Manolo, si dans une demi-heure elle n'est pas arrivée, on part de cet endroit. Sinon, je te laisse tout seul. Pourquoi vous l'humiliez de cette façon ? Gabriel est un homme bien, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au quartier. Ce n'est qu'une couverture. Ils deviennent amis de tous pour que personne les soupçonne. Il n'est pas le premier. Non. Gabriel est gentil. C'est Pépé qui le dit. Gabriel se bat contre les loups. Il y a tant de vermines qui courent les rues et vous en prenez un jeune homme qui est un saint. Le monde ne tourne vraiment plus rond. Et il faut enlever le voile que la justice a devant les yeux pour qu'elle y voit clair. Oh, Salvador, heureusement que vous êtes là. Ils sont en train d'accuser Gabriel d'un crime qu'il n'a pas commis. Ce n'est pas un trafiquant de drogue, je vous en prie, faites quelque chose. Dites-leur de le relâcher, s'il vous plaît. Je vous en prie, Salvador, dites-leur. Anna Maria, j'ai pour ordre de l'arrêter, de l'interroger et de le ficher. Quoi ? Écoutez-moi bien, Salvador. Gabriel ne bougera pas d'ici. Ou alors, il faudra m'arrêter aussi.